sommes avec Mathieu Guénal, chef de produit chez Fiche, avec une nouveauté qui vient d'arriver il y a quelques jours là, et vous la sortez sur le salon. Tu vas m'expliquer tout ça. C'est un produit, un petit leurre pour la truite et la perche, qui a nécessité 2 ans de travaux. C'est ça, on a mis 2 ans à développer le concept, en fait, à trouver l'équilibre entre une petite nageoire derrière, en plastique transparente, et un corps dur devant qui est en métal. On a plusieurs versions, on a une version en plomb, en zinc ou en plastique devant, en fonction des conditions. Et donc, ce petit leurre, il se comporte un peu comme un leurre souple, tu vois. C'est comme si c'était un petit shad avec une caudale en plastique, sauf que là, la caudale est dure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette caudale, elle est perpendiculaire au flux de l'eau, elle va ralentir la descente du leurre. Du coup, devant, on a des versions full plomb qui sont très lourdes et qui vont entraîner le leurre à la descente, il nage tout seul. Et l'autre point intéressant, c'est que c'est très dense et lourd, et donc ça va se lancer à des grosses distances et avec précision. Parce que quand tu as quelque chose de lourd, tu vas pouvoir bien le sentir, ça va pas dévier, tu vas le poser où tu veux. Donc on l'a développé à l'origine pour la pêche de la truite. On s'est rendu compte que c'était hyper efficace sur la perche et d'autres espèces. Et voilà, donc on a 3 tailles, ça c'est le plus petit, 3 cm par exemple, 3 cm en version la plus lourde en plomb, fait 6 grammes, on sent vraiment que c'est dense, que ça permet aussi pour aller chercher de la perche dans des fondeurs plus importantes, ou alors de tenir dans les courants assez forts sur des rivières où il y a du gros débit pour chasser la truite. Je vais le mettre de côté. Ça s'anime comment ? Alors l'animation en linéaire, plutôt simple, tu peux faire plein de choses, c'est très joueur en fait, il nage à la descente, et il nage à attraction. Donc tu peux lancer et faire du linéaire et passer sous la pellicule d'eau. Tu peux travailler en dents de scie. Tu peux aussi faire la verticale pure. Sur la perche par exemple, en flotte-tube, en bateau, en kayak, enfin bref, tu peux descendre en verticale pure et travailler en verticale. Il nage à la descente et à l'attraction. Il nage en permanence, 100% pêchant. D'accord. Okay, très bien, c'est un produit qui est prometteur. Vous avez posé un petit brevet là-dessus d'ailleurs, je crois. Ouais, voilà, on a posé un brevet sur le concept de la nageoire derrière. Ouais. Et donc il existe, tu me disais, en 3 tailles. 3 tailles, 30 mm, 38 et 44. D'accord, et avec et des poids différents. À chaque fois, 3 grammages, ouais, parce que en fonction des conditions. La version plomb est très intéressante, je te dis, pour des grandes distances de lancer, s'il y a un vent latéral, tu vas bien le sentir, si tu veux atteindre des profondeurs importantes. Après, la version intermédiaire, c'est la version zinc, c'est un peu la version 4x4 qui va faire un peu tout. Tu vas pouvoir... il va un peu moins vite. Donc il va passer dans des endroits où il y a un peu moins d'eau, des rivières qui sont un peu moins larges. Tu as une version plastique où là, vraiment, tu vas passer dans très peu d'eau. Tu vas pouvoir pêcher des toutes petites rivières, des endroits un peu plus calmes. Voilà, c'est 3 grammages pour s'adapter aux différentes situations. Les tests que vous avez fait jusqu'à maintenant ? Les tests, très bons. Ouais. Même des belles surprises, c'est-à-dire qu'à l'origine on l'a développé pour la truite, on a eu des bons résultats sur la truite, et ensuite on a été testé sur la perche, et là bon, le prix de la perche, ouais, c'était dingue, mais en même temps on cherchait la perche et on prenait des brochets, on a pris des brochets, des gros brochets sur des tailles toutes petites, on voit que ça croque très fort, quoi. Parce qu'en fait la nageoire entraîne le corps, c'est tout l'ensemble qui est vibrant, c'est pas juste un plomb avec une palette qui tournerait derrière, c'est la palette qui est là, entraîne tout le corps est nageant, et en plus la palette elle est transparente dans l'eau, tu la vois plus, tu vois plus que le corps qui bouge, on dirait vraiment un petit poisson, le réalisme il est assez bluffant. Bon, et au niveau prise, ça se ressent tout de suite. Il n'y reste plus qu'à tester, ça sort quand en fait dans le commerce? Parce que là vous venez de le recevoir, hein, il y a quelques... c'est vraiment tout nouveau là, ouais. les textes pour le brevet sont déposés et là on va les avoir prochainement, c'est courant mars. D'accord, pour l'ouverture, donc ça tombe bien. Bravo, merci beaucoup Mathieu.